Kassayennes et Kassayens, chers compatriotes, notre province du Kassai oriental a plusieurs défis à relever pour son développement intégral. Nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme pour surmonter les obstacles. En effet, nous avons intérêt de nous acquitter de nos obligations fiscales pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. La contribution aux charges publiques constitue donc un devoir pour toute personne vivant dans notre province. Cependant, selon la constitution de notre pays, à son article 174, il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Or, depuis un certain temps, le terme « jeton » est utilisé dans les langages des agents publics et même des contribuables appelés motocyclistes, alors que ce terme n'est établi par aucune loi, aucun édit. Voilà pourquoi j'ai décidé de la suppression de cette pratique à tous les niveaux, c'est-à-dire province, mairie, commune, chefferie, etc. J'ordonne à cet effet tous les services concernés de mobiliser les recettes et d'atteindre, voire dépasser les assignations en respectant les procédures et les compétences au niveau de chaque entité. Le bon travail sera récompensé, le mauvais rendement sera sanctionné. Il y a encore de l'espoir pour mieux faire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kassai oriental. Je vous remercie.